dépend. Bonjour YouTube. Bonjour. Pouf pouf YouTube. Alors, on va falloir prendre un petit temps avant de bouger. Alors, il va falloir expliquer qu'on a redémarré une partie parce qu'on se faisait casser le cul en compagnon. Et qu'en fait, j'ai oublié de vous enregistrer l'épisode 1. Donc, résumé de l'épisode 1, nous apparaissons à Bourane. Nous allons, nous descendons, nous voyons un volcan des sorciers, les gars sont pas trop chauds, on le pète. On consomme beaucoup de ressources, on a mal aux cheveux. Hein. Puis, Zell décide d'aller explorer un petit peu, il tombe sur l'ancienne carrière, on pète l'ancienne carrière. On descend à Poitouillet. On pète un appareil du culte, on pète la grotte sombre, on est allé voir le pipier, qui était très charmant, très agréable. Et on est remonté, on a pété un autre camp du chaos, je crois qu'on a des camps de chaos un peu partout là. Voilà, on a pris deux trois statues. Et du coup, on est en apprenti, donc en mode un peu plus cool. Shinai ne joue pas un musicien de rue, mais un ménestrel. Et Alzer, tu ne joues pas du coup le bûcheron, tu joues la forgeronne. Et je joue l'herboriste. Voilà. Pas changer ange quoi, avec un beau chapeau. Voilà. Quel beau chapeau. Un chapeau qui fait du feu. Un chapeau volcan. Par contre, tu sais comment on enlève les pings, Shinai? Est-ce que tu fais le malin à savoir faire des pings? Mais est-ce que tu sais comment tu les enlèves? Tu rappuies dessus, voilà, tu recliques dessus. C'est aussi simple que bonjour. Bah non, il y a toujours ton ping. Sur la mine scintillante. T'as si beau gosse. Yes. Ça va faire des petits sous ça. J'aime ce. Alors moi par contre ils sont bien entourés, hein. C'est bien entouré chez eux. Hein. Pourquoi tu vas aller à Bourham? C'est oui. Bah parce que moi il y a ma robe de mage donc j'y vais. Et puis il peut y avoir des barbes de dieu donc je vais y aller. Ah pourquoi je suis allé par là? Mince. Je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, j'ai regardé le truc où j'allais puis. Passe par le même endroit que nous, comme ça tu peux peut-être faire un arrêt sur l'entolooper d'os. Non, sur le marché nocturne, et décidément, on ne veut pas me laisser tranquille. D'accord. Est-ce que tu veux bien m'envoyer ce que t'as en rab sur toi? Shinai? On va aller. Hein. Ah oui, ouais, bon. Voilà. On va pas taper. Hein. J'espère qu'il regarde son écran quand même. Hein. Apparemment, je pense qu'il est parti. Il s'est barré. Tout simplement. C'était une bonne VOD. Ça veut dire que là, il faudrait que je redémarre une VOD pour tout expliquer. Alors après, si je l'ai un mec sympa, je pourrais faire pause dans la VOD. Essayer d'inventer des embrouilles. Mais voilà, je suis un connard, j'en ai rien à péter. Ça déroule, ça tourne. Allez, c'est parti. Il est revenu. Entre les morts. Les gens ne veulent absolument pas me laisser tranquille. 28. Pardon. Tu viens de taper un 28 là? J'ai pas rêvé? Si. Shinai, avant de bouger, avant d'avoir des coups de fil, avant de quoi que ce soit, tu vas me refiler tout ton stuff. Hein. Ouais, t'inquiète. Yes. Faut prendre des décisions. Bien vu la veuve. Refile-moi tout ton merdier. Les objets en rab. Donne tout large. Voilà, c'est tout. T'as avec un cristal début. Ok, oh, bon, ça marche. Ah, il y a des vieilles bottes. C'était pas tout. Ouais, okay. Très bien. Pas moi les vieilles. Ah, voies, un petit herbe de l'ermite. Pas moi les. Ah, très bien. Par contre, c'est grâce s'il est comment dire, le bout de terrain avec les champignons, les arbres, pas les champignons, mais les arbres roses. C'est vraiment cool. Ah, la forêt ardente en fait. Ouais. Ok. S'il est, j'aime bien. Ah, je peux pas. Donc t'es pas assez prêt. Je l'embrouillerai, t'es gâté. Du coup on attaque les trois.
Donc on attaque 3, c'est bien. Bon, on va attaquer 3 d'un coup. Je vais juste faire un petit tour au voilà, petit marché, t'as vu. Vas-y, y'a pas de soucis. Ah, on a le petit la petite compétence inspirant hein, qui est toujours très sympa. On avait bien aimé la bannière. Hein. On se rappelle, c'était cool. Ah, l'arc de verre quoi. Il y a des bons stuff, mais le problème c'est que c'est qu'on fait des bons bateaux, mais c'est que des trucs qui se mettent donc. C'est un ça n'intéresse du coup personne. C'était très, très intéressant dans son inintéressance quoi. Je garde le grimoire actuel, je trouve qu'il est mieux. Totalement, en plus si tu fais des perces à 28. Je prends tous les parchemins de TP parce que j'en ai rien à cirer. C'est très bien. Et j'ai quoi que... j'ai la vieille chaîne rouillée toute claquée au plancher. Moi tu peux rire. Tout le monde a une babiole d'équipée. J'en ai pas. T'en as pas? Moi j'ai un talisman d'éclair. Ah, attends. Babiole. Ouais j'en ai une, j'ai la plume d'argent, pardon. My bad. Et t'as quoi toi Hazer? J'ai le talisman d'éclair. 25 plus 25 dégâts contre les éclairs et immunité au choc. Un petit talisman des familles. Vas-y je vais économiser pour ma robe au pire. Oui bah oui, prends-toi une robe hein, mec. Ah, j'ai plus de bouffe. Hop là, c'est bon. Ah, c'est bon, tu peux. Combattre. Moi, oh, je dépense un point, je vois que mon prochain niveau il est pas très loin. Il a pas... Ah, oui, ça me tape directement. Ok. Ah, ouais, je vois. Ah, ça part comme ça. Bon. Hein. Ça m'a énervé en fait. Du coup, normalement, tout le 2, tu le tues ou pas? Logiquement. Quoi? Tu le one shot? Le mage. Quoi. Alors il a de la résistance magique, oui je perds sa armure. Ouais, c'est du moment. Tout à fait. C'est exactement ça. La prochaine fois les dégâts magiques, c'est toi qui prends hein. Je pense que tu peux tuer le dégât poussé. Non parce que t'en fais aussi toi des dégâts magiques, non? Je joue pas mal aussi hein. Je sais pas. Encouragement merci. Quoi. Fort aimable à vous. Ouais. T'as des dégâts bonus contre la glace quoi, non? Ouais, il y a des dégâts bonus contre la glace. Moi non. Si, toi oui. Non. Ton chapeau. Ah, tu crois? T'as 100% de dégâts supplémentaires contre la glace. Bah oui, il me semble que oui. Hein. Que t'as ah non, bon 100%. Truc, hein. Oui, 100%. Ah, oui. Ouais, c'est pour ça. Ah, beaucoup, ouais. Ouais, c'est ça que ouais effectivement, ouais. Ah oui, effectivement, si j'avais gardé le petit grimoire de feu, il y avait une petite combo un peu sale à 150% de dégâts contre les mecs de glace. Hein. C'est pas faux que ça aurait pu être très douloureux. Ah, tu prends pas le point d'intégration? Regarde. Le point de quoi? Ouais, il y avait un point d'intégration juste en dessous. Hein? Pourquoi j'ai pas été inspiré? Parce qu'il y en a qu'un des deux qui peut être. Il y en a qu'un qui. Ah ouais? Du coup, je vais chercher le point. Ah non, je pourrais pas aller chercher le point. Je vais y aller. Quel allez, point tu veux chercher? Okay, du coup, je l'ai monté vers la droite pour découvrir des. Le point d'interrogation, d'accord. Très bien. Ouais, faut qu'on redescende sur la mine scintillante en fait, hein. Après, hein. C'est ça, ouais. Le petit marché. Disait beau marché. Ah, ouais, mais il faut que j'achète la piment, là, putain. On a plein de trucs. Ah, oh, en plus, les deux quêtes sont à côté, donc c'est bon. Puis il y a un sanctuaire de la prospérité. Je vais regarder. Là, c'est 34. Je n'ai pas acheté de la pub du dessus. J'ai acheté plutôt du matos. Les perrouillés, c'est nul. Le lutte blanc, c'est bien ou pas? Le lutte blanc. Il y a un dégât supplémentaire, j'ai un de régénération de vie, j'ai soin de groupe, reconcentration. Le barbare, je vois qu'il y a les deux. Je peux t'acheter l'un des deux. Restaurer. Ah, je peux guérir un ami. Non, et mais on s'en fout, il faut que tu DPS, gros. Soigner ouais. Des gens, je peux le faire. Hein. Je veux dire, soin du groupe, c'est pas forcément très intéressant. Après, la reconcentration, c'est cool. Le soutien à distance, c'est toujours cool. Un de régénération, c'est cool. Le plus 25% contre les morts vivants, on va en croiser. Et c'est voilà. Mais il faut voir, il faut que tu sois plutôt DPS que soutien en fait. Mmh.
Donc je sais pas, le barba par exemple qui fait du 9 de dégâts, c'est bien, c'est pas bien, j'en ouais, sais rien. 3 de dégâts supplémentaires, 10% d'or. Ouais, on peut faire des 5 de dégâts de groupe. Et tu peux réinitialiser ouais. le tour de quelqu'un pour le renvoyer en arrière. Je te prends ça? Ouais, vas-y. Je suis désolé, on n'a pas trouvé d'épée, hein, comme d'hab. Évidemment. Ouais, non, pas 4, j'ai vu. J'achète un bout de l'érudit, une barbe de dieu, une racine dorée. Je vous attends dans mon coin. Reste 1$. Ouais. Voilà, j'ai pas acheté, mais du coup. Ouais, mais j'aurais aimé te donner ton stuf. Ça va, tu me donneras avant d'aller dans le monde. Ah, ouais, mais non. Ah, quoique. À part si tu mets de la concentration. Je peux pas. Ouais. C'est hasard de faire demi-tour, et vu qu'il y a quand même un objet à gagner, hasard, faut que tu fasses demi-tour. Normalement, c'est un objet de guerrier en plus, donc ça vaut. Si tu veux. Du coup, bah, je reviens et puis on tape le vide coup. Ouais, ouais. Je tourboule, reviens. En vrai, c'est pas bien en plus parce qu'on soit aussi étalé que ça. Tiens. Alors, hop, je te donne ça. Tu pourras consommer ça également. Ça te fera rattraper un petit peu de retard d'XP. La racine dorée, pour l'instant, je vais garder parce que j'en avais plus sur moi. Voilà. L'objectif, du coup, le panel. Quoi ? De quoi ? Ah, le moule d'érudit là pour 8 d'XP. Ouais, bah prends, ça va te rattraper un peu. Ou alors garde-le pour l'instant en attendant que t'aies une meilleure pipe, mais. Ouais. En vrai, ouais. Sinon on s'en fout que la fleur maintenant. Non, 8 d'XP c'est pas rentable du tout, regarde, 8 je rattrape même pas Zell. Bah en même temps, ouais, enfin si tu rattrapes Zell, tu rattrapes le premier. Bah attends, oh. Il est à 113. Enfin, je suis à 113, il est à 114. Ah. Et pour une fois, c'est pas moi qui ai le plus d'XP. J'ai senti ce ressentiment. Mais tiens, regarde, on va te donner un peu d'XP. On va rattraper Zell, vas-y. Ah, vas-y, c'est raté. Pourquoi j'ai fait embuscade, je suis con. Putain. Non, mais des fois, je me fais peur à moi-même. Aïe. 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 Bah, ça va prendre à être con. Symphonie. T'as tout le monde 84% de chance et perdo. Ouais, on va se faire une dessus. Et bah non. C'est le monde 4, génial. C'était médiocre, je crois. Ouais. Donc là, si tu leur fais 5 de zone, on est bon. C'est fini. Et le jeu vidéo, c'est terminé. T'as vraiment pris tous les dégâts en jeu. Yes. Ce jeu n'a aucun respect pour toi. Comme ça qu'on fait. Ouf. Tu n'es pas un artiste de rue. Je vois que tu es un artiste à la rue. Bon. Ça parle mal. Oh yeah yeah yeah. Tac, je vais vendre ton lutte simple et je vais vendre le truc de l'ermite et j'ai mal aux cheveux et c'était très bien. Et juste en termes de service. 3, 4, ah si allez, hop. Merci pour la petite auberge les gars. Sympa, n'hésitez pas de continuer à œuvrer pour le bien sacré, c'est-à-dire le bien d'ange en fait. Ah bah c'est encore pour l'autre monsieur. Yes. Autre truc. Ah non, c'est un truc qui rendait des points de vie, ça, c'est ça? C'est ça. Ouais. Bah yes, je veux du premier coup. R. Voilà. Bon, c'est clair, j'ai R. Ah, tu peux embrouiller le... Ah ouais, non, t'es trop loin. Faut qu'on embrouille le Freeponx. Yes. Et quand on descend sur les. Je vais mettre à 2K, je vais mettre juste là. Le petit marché. J'ai plus qu'une pièce d'or. Les garçons. Enfin, les garçons. Bah, non, du coup, tu joues une fille, toi, Shinai. Rigolo. C'est pas rigolo, je peux plus faire. Les garçons font travailler, ramener l'argent. Les boys. Là, normalement, tu peux l'embrouiller. Tu pouvais l'embrouiller. Non, il est trop loin. Bah, non, il a 2 cases. Je l'avais pas, hein. Ah bon? Ah.
Les mecs de la forêt sentinelle. Il faut qu'on va voir qu'on se grouille parce qu'on a plus que 9 rondes pour faire le campement qui est au bout là, là où il y a de la thune. Yes, il faut qu'on rush. Allons faire la thune. Ouais, je sais pas si je porte par le haut. Par le bas, oui. Et on attaque par là. On attaque par le haut. Oui. Tu me cherches des embrouilles toi? Alors, j'ai raté hein, 25% de chance de rater. Bon respect ce jeu. Regarde une esquive là, direct. Hop là, t'as vu cette esquive? C'est impressionnant, t'as pas vu. Regarde, hop là, esquivé. T'as vu? Tu m'as même pas vu esquiver. C'est beau, c'est beau. C'est nickel. Oh, ça le tue même pas. Ah putain, le jeu dégueulasse quoi, le jeu qui m'a dit que tu seras puni. Puni. Du coup, tu prends un max. Au mur. Ouais, ça dégage. Oh, bon, plus qu'un XP ceci. Tiens, moi, je récupère un casque pour quelqu'un. Bah pour Sniper, je crois bien. Ouais, parce que ouais, ton casque épique, il est quand même pas mal. Ouais. Bah je récupère un casque pour le marchand. Ah oui, c'est pour quelqu'un. Un casque pour l'argent. Oui. Un casque pour l'argent. Pourquoi je vois tout le temps tes marqueurs sur la carte? Ils s'enlèvent pas hein, pour moi tes marqueurs. Il y en a un sur la mine scintillante, il y en a une sur la foire. Ah ça y est, celle de la foire. Ça. Ah. Une vieille tombe. Ça tombe bien. Excellent. Je vois que ça aime l'humour ici. Tu sors. Fais ça. Eh ouais, vas-y, on voit. Un bruit. Du coup, en fait, j'ai 4 bourses de Mamadou. De Mamadou. Ah, bah. Mamadou. Ouais. Yes. On a compris, ouais. Ah. Oh, comment je l'ai ignoré. Oh, non. Comment il m'a ignoré. Comme il a ignoré mon armure, surtout. En vrai, tu peux tuer la fée. Ouais, faut tuer la fée. Hein. Si tu peux, faut tuer la fée. Ouais, je vais tuer la fée alors. Limite, hein, quand même. Voilà. C'est passé. Et là tu vas te faire raquette. C'est bien passé. On va se faire empoisonner. 3, 2, 1, empoisonner. Ok. Ça passe. Joli. C'est bien vu. Oh, encouragement. Ouais, mais j'enlèverai le poison à la fin. Bam! Gaspillon, poison. Ouais, pas d'axe comme ça, Zinedine. Hein. Oh! Yes, niveau supérieur. Je récupère. Je récupère aussi, je crois. Je récupère aussi. Je récupère aussi. Ah, et puis rien à récupérer, dommage. Non. J'utilise ma palax. Je commençais de faire pareil, Zelzer. À moins que t'aies assez de PV pour enquiller, mais... J'ai assez de régène pour encaisser. De quoi? J'ai assez de régène pour encaisser. Ouais, sauf que tes stats sont abaissés aussi. Donc te plains pas si tu touches rien. Non, mais t'inquiète, je vais pas me plaindre. Ok. Je peux pas dire. Pas le groupe dans la merde pour tes conneries. Pas plaisir. Bon bah... Non, t'as plus de dégâts que moi donc Cyclochette. Cyclochette va mourir. Ah, quoique non. Oh, ce qui serait bien, Shinex, c'est que tu me fasses une petite attaque de zone là pour faire ça. C'est ce que j'allais faire. Ah, le Fushida, ça c'est bon, c'est bon. Oh là là, c'est ta bande gaming quoi, regardez ça. C'est beau. Et toi, tu butes le fantôme parce que tu as... Non, je fais que 15 de deg. Hein. Non, tu vas voir. Il est pas de glace lui, par hasard? Bah non, c'est un esprit. Ah, okay. Yes. C'est un mort-vivant. J'aurais dû tuer la fée. Il est mort. Tu vois même pas besoin de... Je prends une panax. Rock'n'roll. Ouh, ouh, yeah. Putain, maintenant j'arrive plus à faire 3 succès quoi, s'il te plaît. La honte.
Toi t'en fais 4 alors que t'es nerf. Ah oui. La honte. Tu sais que je passe de genre 77 à 80, j'étais à 81% de réussite. Ouais. Et je passe à 77 parce que juste je suis nerf, c'est tout. Oh, un bon mot calamar, moi. Tiens. Je prends. Bah si tu fais que des dégâts magiques, oui, vas-y hein. Allez, prêt. À peu près, ouais. Ah tiens, on teste sur le monde de glace. Ah là, il y a un mode de glace. Ouais. Là, normalement, je le one-shot. Vas-y, tue-moi ça. Pas forcément, parce que la chauve-souris, en fait, c'est celle qui joue en dernière. Est-ce que je parlais de la chauve-souris? Bah par défaut oui, puisque t'étais... il était dessus. Bah non, mais il était sur la colite et puis ouais, je pensais qu'il était... vas-y, merci, au revoir. Oh le bâton, moi je voulais le bâton. Le bâton. C'était ridicule. Je crois. C'est terrible hein. Je crois que c'est ce que je viens de voir. Je viens de voir du ridicule à l'état pur. Et là, tu vois, il nous fait une petite zone, il finit les deux et tu t'es ridiculisé jusqu'au bout. Ah non, bah, parce que j'ai laissé. Tu sers à rien. Ah, ok, d'accord. Bon, moi je level up quoi. Lui, il l'a fait avant. Prends-la, ah, consomme, faire, consomme la direct là. Je les consomme. T'es en retard en PEX. Hein. Du coup. Peux, ouais. On est prêt, hein, ça y est. Il a plus de poison, ça y est, il va enfin servir à quelque chose. Ok d'accord, bon, en fait je m'en vais en fait je crois. On peut pas ouvrir cela, bah génial, on a pas de crochet, super, allez next. C'était bien. C'est cool comme ça. Eh hey, laissez-moi cogner. Oui je passe moi. Cogner, oui. Trop bien d'exploser des portes. Oh, trop bien. C'est génial dans le jeu. Allez, prêt. Ah, des sorcières. C'est embêtant ça. Pourquoi ? En fait, je pourrais tuer celle que t'as touchée. Mm-hmm. Sauf que du coup, elle joue dans très longtemps. Ouais. Je peux pas tuer par contre celle qui va jouer. Je vais opter pour tuer le volant. Vas-y. Et du coup, je laisserai Zelzer tuer la sorcière. Comme ça, le volant il joue pas avant Zelzer. Donc, une. Ça attaque. Attends mais les mecs. J'adore le bruit. J'adore le prix du marteau. Le pack. C'est toujours le marteau pack de base. Hein. Il a tapé dans j'ai les toujours marteau de base, hein. Oui, j'ai toujours le marteau de base. Hein. Ouais. Ah ouais, toujours. Donc, bien, mais, bon, mais du coup, tu vois ce qui est bien avec ce personnage, avec la forgeronne, c'est que marteau de base et bouclier de base étaient aussi fort, voire même plus fort que le bûcheron. C'est ça, totalement. Ce qui est vachement fort. Ouais. Le bûcheron, je le trouve très faible en réalité. Je la veux bien, j'en ai plus. J'avais oublié, mais on peut voir mes vieilles pantoufles. Ah. Je suis nice, je serais toi, je la mettrais. Hein. Ouais. Ah, ouais, j'y ai pas pensé. Vas-y, prends-le et refile-lui. Après, j'ai trop de là, t'es pas frais, t'es pas frais. Hop. En vrai, si tu veux, je peux te passer mon coup de régénération de santé. Plus 3. Non, garde-le. Bah attends, plus 3, non, c'est non, fort. Non, file-lui hein. Le truc de Vita. Un sorcier de feu. Parfait.
peux tuer aucun des deux. Ce que tu peux faire, c'est effectivement affaiblir les trois. Ça, moi, ça me permettra de one-shot n'importe lequel. Presque n'importe lequel. Yes. Yes. Ça tombe bien, fallait qu'on parte sur un soin de groupe. Est-ce que tu peux tuer le squelette à gauche? Squelette de gauche, est-ce que tu non, peux le tuer? Non, pas le one shot. C'est moche. Bon bah vas-y, fais ce que tu veux. Ah, vous zonez fort! Ah, mais je savais pas que vous pouviez tous les trois, enfin tous les deux zoner ouais, en fait. Ouais, je peux zoner, c'est mon taille de choc. Bute lui hein. Zone hein. Zone les hein. Parce que moi j'ai une zone aussi. Voilà. Je vais les zones et on n'en parle plus. Tu t'esquives là, y'en a au calme. Ah mais c'est vrai qu'il m'a mouillé du coup, j'ai plus mes stats. Voilà. C'est pour ça. Non le bâton de feu, le bâton de feu il passe par dessus. Non. Un livre poussiéreux. Ah, je vais pouvoir changer de bouquin pour la tour. Non, celui-là il est plus frais, je vais l'équiper. Le mec qui change, la fille qui change de bouquin pour le même bouquin à chaque fois. Tranquille. Non, je vais jamais dans le même donjon, je change jamais deux fois le même bouquin, c'est vulgaire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous as donné un petit peu de... Ouais, un petit boost d'XP pour vous deux. Yes, j'ai vu ça. C'est long. Et Shinai, quand on sera en combat et que ça tourne mal pour toi, utilise ton bout de d'érudit. Comme ça, tu passes ton niveau et tu prends des PV. Bon, c'est à 15, barbe dieu. 15 et 12. Boutique. 12 et... Ouais, bah 15 ou pas 15, il nous faut du matos. Alors déjà, vendons ce qu'on a après tout. Déjà. Moi, comme d'habitude, je vais vendre tous les pare-chauds au début parce que je ne m'en sers pas et qu'il n'y a pas besoin de courir à travers le monde. Les tenues de vigilant, ça ne concerne personne. Des chaussons de Kirby. Est-ce que tu veux des chaussons qui donnent de la régène en fait, Shinai? Ouais, ça pourrait être pas mal. Je l'ai même, mec. Je l'ai même, mec. Je l'ai même, mec. En jaune de Damas. Oh, Shinai, non, mais. Ah moi ça mon perso genre il a ses pantoufles avec des grosses chaussettes là, c'est horrible. Ah j'ai le bâton à nœud, alors celui-là il était pas mal aussi. Soin de groupe, soutien à distance, 1 de régénération de la santé, plus 15 dégâts contre les morts vivants. C'est vrai qu'il avait un petit côté sexy, mais bon il faut faire beaucoup plus de réussites, c'est chiant. Totalement. On aime pas faire des réussites. On aime bien que ce soit facile le jeu vidéo. Parce que j'en trouve, j'en profite et je vais les prendre. Voilà. Et du coup, paf et paf. Voilà. Vous avez tous les deux une machin. T'avais pas du tout de bottes? Même pas des bottes d'aventurier? Shinai? Excuse-moi. Déjà vendu, je t'ai envoyé les 5 PO. Ah ok, d'accord, excuse-moi, j'ai pas vu. Yes. C'est comme ça, t'as pas acheté avant de Dieu. Voilà, ouais, c'est pas grave. Donc on est retourné au une pièce d'or. Ah. Et yes. Cette pièce d'or est légendaire. C'est la pièce d'or maudite qui revient tout le temps dans ta poche. La fameuse. Et qui suce tout ton argent. Tout ton or. Juste tout objet en or. Hein. Pièce en or et objet en or. Bah tiens, vas-y, un cogne. Hein. Boum. Tu sais faire de mieux, tape dessus. Hein. Bah ouais, attends un coup de marteau, puis hop. Hein. T'es reparti. Hein. Oh, ça nous fait des petites régènes de PV, moi j'aime beaucoup. Et on a tous un peu de régène du coup. Et ouais. C'est pas mal. Ça c'est juste pour toi en fait. J'aurais dû me prendre des petits chaussons de Kirby moi aussi, plutôt que des bottes. C'est ça. Ça aurait été la team en chaussons quoi. Oh la team de balade quoi, tu sais. On est sorti du lit, on a dit il y avait un donjon, on y est allé. Yo, bah bon. Vas-y, on va pas lui café du matin et tout. Arrêtez de me taper. Je sens pas moi. Ah oui, mais c'est le boss final là, c'est pour ça que je me dis ouais, ils sont un peu chauds les mobs, yes. Ouais. Oh toi. Hop là. Ah yes, on aura fait bon. Tape l'archidos.
ou le soldados, comme tu veux. Prends ton bout de l'érudit. Parce que en fait, t'es quasiment midlife. Voilà. Et tu perds son armure ou pas? Tu fais du magique, non. Tu perds son armure. Ok, d'accord. J'aurais dit. Ouais. Magie, non? C'est la magie que j'ai. Ah, du coup, je suis tenté de faire ça, moi. Yes, il a laissé son casque, c'est bien aimable. Mais non, mais wow. Pourquoi tu tapes pas le mec du milieu? Super. Je pensais one shot pourquoi t'as pas tapé le mec du milieu, Zelzerti? Pourquoi t'as pas tapé le mec du milieu, Zelzerti? Parce qu'en fait, non, mais à non, pas deux, toi, pas toi, je suis là. Enfin, si, deux, pas, si tu veux faire du zone, tu fais du zone. Tué. Mais Zelzerti, le mec, il a une armure magique. Voilà, c'est pour ça que on tape sur ceux qui sont autour. Je sais bien, mais à deux, vous l'aurez tué. Bah ouais, mais non. Bah donc, sinon, tu tapais tout seul et tu le tuais. Voilà, tu vois, genre, on l'a pas tué parce qu'il a 6 d'armure hein, quand même. Hein. Et là, tu fais le malin, mais. Ah, mais c'est juste pour la gloire. Tu vas me le tuer ou merde? Ah non, je peux pas, il est trop fort en fait. J'étais juste trop nul en fait sur tout ça. Ah, tu vois, il l'aurait tapé, il l'aurait tué. Après, ça me parle. Ouais, ouais, bah super. Bah, Shida, il a perdu la moitié de sa vie juste parce que t'as pas voulu le tuer. J'avais tout calculé, c'est juste que non, 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 mais sérieusement. Shida a perdu la moitié de sa vie parce que t'as pas voulu le tuer. Mais de toute façon, Shida, il l'aurait tué, il avait une perce armure dans tous les cas. Ah, ouais, j'avoue. Il a perte magique, c'est pour ça. Non, j'ai pas de perte armure, monsieur. T'as le perce magique. Et de toute façon, tu fais des dégâts magiques. Tu donnes à Shida. Donne les crochets à Shinai. Hop là. Shinai était le voleur du crew. Oh! Ah, par contre, t'as été bien récompensé, mon Shinai. Le mec prend sa petite pluie de stuff, tranquille. Comme lui de stuff. Ouais! Ah, et moi, je récupère encore mes pare-chauds à la con, j'ai pas besoin. Ah non, le parchemin de portail, je suis désolé, c'est très cool, moi, je trouve. Ouais, c'est cool, mais enfin, au début, on en a pas besoin du tout, quoi. Ouais. Je préférais qu'on me balance les bâtons, les sceptres, les gants, de mage, les chaussures, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Je préfère. Alors c'est pour, bon. C'est pour les gens qui ont du talent, je crois qu'on a un artisan parmi nous. Y'a moi aussi. Ah bah oui, tu es quelqu'un de très talentueux. C'est pour Shinai. Non, c'est vrai? Yes. Ouais, j'ai récupéré 6 XP. Ouais, je vais te rattraper. Et voilà. Moins 2 KO. Ah oui, moins 2 KO. La balade. Bah on a buté un acolyte plus un appareil en fait. Voilà, beaucoup de quêtes hein, beaucoup de quêtes, donc là faut qu'on aille à Farid. Voilà. Moi je vais aller chercher le truc de multiplication. Ah bah non je gagne pas d'or, Hein? Plaît-il? Je ne gagne pas d'or gratos donc qu'est-ce que je fais moi? Bah prends-le quand même. C'est toi qui as tous les bonus d'or. Ouais. Oui, mais viens taper la plante vénéneuse avant. Non, 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 on n'est pas pressé. On n'est pas pressé parce qu'il n'y a pas de chaos qui est apparu. Donc, vu qu'on a encore 7 tours pour le faire là, l'autre là-haut là, on le fera quand on aura un truc de chaos qui apparaît. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on va le faire dans le vent. Donc, tu peux descendre là où il est effectivement. Un ours de guerre. On a gros tous les mobs de la région, c'est comment là? Oui, on a gros tous les mobs de la région. On va gros Irak, hein, parce que Shinai il a pas beaucoup de points de vie donc voilà. Ça nous éviterait de feu! Voilà, c'était bien. C'était tout pour moi. Bon bah c'était tout pour le loup en fait. Il y a les mecs qui sont en fait. Niveau 1 en fait donc. C'est vrai. C'est vrai qu'on commence à avoir d'autres niveaux du coup. Ça c'est bien de les choper, surtout quand t'as pas de bot au début. Ouais. Une belle journée. Oh. Avec toi et moi. Y'a que toi et moi. C'est l'heure du défi. C'est l'heure du duel. Oh la banjo. Si. Olé. Oh je l'ai raté. Olé. Mon dieu elle est ratée.
Oh les esquives, c'est mon argent. Tu voulais t'acheter des loup-boutins? Eh ben tu ne voudras pas. Et voilà. On a rattrapé l'XP sur Zelzer. Et oui. Voilà, c'est dégagé jusqu'au temple. J'ai bien fait mon travail. J'ai bien fait mon sac, chef. Oh, j'aime ce. 9 points d'XP. Tu peux rester planté sur place, hein, Zelzer. Hein. Tu peux rester planté. Je vais m'avancer du coup. Non, c'est un cul-de-sac, t'avances pas, reste là. Non mais corbeau, tu vois que tu vois. Est-ce qu'il y a un corbeau vers toi? Y'a pas de corbeau vers toi. Le corbeau il est à gauche. Il est vrai que Shina il y a une tête à vouloir me prendre mon argent. Et il y a une case qu'on a pas découvert encore. Ouais sous quoi tu y es, bon, après on a plusieurs, on a pas trop fait les coins de cartes je crois, si. Ah si, ah ouais si en fait si on a bien fait les coins de cartes, hein. Bien vu. Et donc je passe à. Eh hey, t'as toujours pas fait le bassin profond Zezer. Non c'est celui qui te heal. 9 points d'XP pour toi Zezer. Merci bien. Est-ce que je le tape lui là? Non attends il y a pas Shinei avec moi. Si il est. Ah bon il est dans le crew là. Ah oui il a 3 cases, il a soutien à distance, GG, vas-y. Vas-y on embrouille tout le monde, Joseph. Ça fait du mal. Ah, non mais foutez-moi la paix par contre, tapez sur le croupier du milieu niveau, là, ouais. Non mais j'ai dit sur le con du milieu là. Voilà, très bien, y'a que le con du milieu qui a pris, c'était parfait. Sans les one-shot tous. Ah, tu peux zone hein, et je zone derrière et on est bien. Ah oui sauf que moi ma zone coûte un peu cher, 100 points, voilà. 100 points ouais c'est moins garanti. Bon tu vas réussir à taper sur le monsieur là? Oh bah bien vu. Oui, je mets un full critique. Donc je t'ai réussi. Jour 2, niveau 3. Ouais, je pense qu'on avait vraiment fait un loupé sur notre game. J'ai peut-être passé trop de temps à récolter de l'argent avec le musicien. Oui, non mais je pense qu'il y a. Bah, après, on a eu un démarche qui était différent. Je veux dire, là, on s'est quand même permis de faire. Mais non, Zelzer, faut que t'ailles au truc qui rend des points de vie. Fallait que tu passes par bois tuyer. Mais, il peut pas. Ah oui, il pouvait il fallait que tu passes par bois tuyer en fait. T'y étais. Oui, mais avancer de 1, c'est sera pareil. Il a pas t'avances pas dans le même sens là. Là, c'est plus dans long. Tous hein. Les cas. Ah si, je sais pas. Dans tous les cas, c'est pareil. Tu juges, c'est toi, t'es seul maître. Voilà, tu... 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi le patron, 1, 2, 3, moi, 4, 5. Yes, nouvelle pipe. Et pipe, pipe. C'est juste la même. Ouah. C'est juste c'est la même licence. Merci. j'ai un casque d'immunité à l'eau, tout le monde s'en fout. Une veste en cuir, t'as quelque chose comme armure en fait, Zelzer, t'as quoi? Bah non, j'ai juste la vieille tunique de voyageur quoi. Ta vieille tunique de voyageur. Un d'armure, un de résistance, un d'esquive, deux de vigilance, monde de talent. J'ai pas assez d'argent pour t'acheter la petite veste en cuir, un 3 d'armure et un de res. Oh c'est pas grave, pour l'instant ça va. Bon, ça va. Bon, par contre j'ai la pipe niveau 2, ça c'est le côté positif. Côté positif, voilà. Dommage, je pensais vraiment te donner un plus. C'est qui le plus vigilant d'entre nous? De quoi? J'ai rien dit. Merde! Trop con. Oui, il fallait que t'avances un peu. Bon, c'est pas grave, ça me laisse le temps de remonter jusqu'à Shinai. Décidément, le chaos ne veut pas venir. Hein. Ah! Ouais, mais on a pas d'argent. On peut juste l'ignorer. Je vais quand même regarder ce qu'il y a. Ouais, bah tu pouvais juste mash click gauche dessus, non? C'est pas ça? Non. Ou il faut absolument qu'il y ait un pote dessus. Faut qu'il y ait un pote dessus. Ah, le lutte élégant, hein. Le lutte élégant. On a envie d'avoir un swag hein, quand on voit ça. Hein. Ouais. Une petite épée courte. Oh, ils vont du bon stuff, le salaud. Mon grimoire met en 13 dégâts.
Bah en fait ils vont jeter ce qu'on veut là. Le lutte métallique mon gars, le lutte métallique. Ah non, il est nul. Pourquoi? 5 réussites de base. Ouais. Pour faire 11 dé... Et... Ah par... ah oui non en fait ah oui d'accord mais c'est oui d'accord non mais en fait alors c'est chiant mais c'est 11 dégâts plus 6 de zone hein. C'est pas mal aussi. Et pour 3 t'augmentes soit l'armure soit la résistance du groupe entier. Ouais mais je pense pas que ça vaut le lutte élégant pour le coup. Ah, ouais. Ah oui d'ailleurs il fait moins mal, il fait que 11 dégâts parce que le lutte élégant fait du 12 hein. Et il ignore la résistance. Oh. Et t'as un multiplier. Oui, il perd sa armure. Il perd sa armure. T'as le presto, tu peux cibler l'ami donc ça accélère sa vitesse d'attaque. Et tu peux cibler le groupe pour améliorer notre esquive. Et t'as plus d'or. Et oui, t'as encore plus d'or. On aime ça. Très bon banjo. Et puis pour notre ami là-dedans, il y a l'épée bâtarde. Pas l'épée. Qu'est-ce que je dis? Il y a l'ancienne épée courte à 12 dégâts. Ou le couteau solide. Ah, c'est quoi ta carac principale toi? Ah oui, c'est l'endu. Ta carac principale, c'est l'endu. 12, 5%, 5 de vitesse. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps. Il va falloir de la thune. Ouais, il va falloir de la thune. Des bonnes grosses thunes. Trouve-nous des bonnes grosses thunes. Putain. Ça sert à quelque chose, lui, dans l'équipe, là? Tu connais, toi? Peace, mec. Les gens trop raides. Je vois pas qui c'est le gars. Aïe aïe aïe, n'embrouille pas. De toute façon, on n'est pas pressé, il n'y a pas encore de logo du chaos qui est apparu. Il nous reste deux rondes pour le péter, le type. T'aurais pu venir directement sur la case, chérie. Parce que t'as tout TP. T'aurais gagné une case de bouffe. On va être obligé de péter le monstre plan de solo. Mais non, vous avez attaqué. Qu'il est on a pas trop le choix, les rondes elles défilent monsieur hein. Au bout d'un moment on peut pas t'attendre éternellement hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui. Trop chiant. Il a des pop, putain, il avait tout le beau matos du monde, je suis tellement deg, il avait tout ce qu'il nous fallait hein. Il avait fait on a tout, on a fait monsieur vous pouvez pas attendre, on va aller chercher du argent là. Même pas, il a fait non bah vous êtes des salopes pauvres, t'as vu. Tu peux embrouiller là ou pas tu vois? Ouais, tu peux embrouiller. Ouais, tu peux embrouiller, tout à fait. Embrouille. Mais faut mettre fin à ton tour, Zazer. Oui, mais j'avais appuyé, du coup ça a pas marché. Ouais. Ce qui ne souffre pas. Non, mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. Personne ne dit que c'était faux. Hein? Ah bah notre quête est terminée. Bah voilà. T'as passé ton tour. Zazer. Bah tu peux aller à l'entente de la dryade, hein, vas-y. Fonce. T'as passé ton tour. Bah oui, j'étais obligé de passer mon tour. Voilà. Mais pourquoi t'as passé ton tour? Mais parce que je pouvais pas embrouiller les 3 mobs en face. J'étais trop faible. Voilà. C'est des choses qui arrivent. T'as tout niqué, on aurait pu les tuer mais bon pas. Oh, y'a le tambour élégant. Le tambour élégant maintenant. C'est plus le luth, c'est le tambour élégant. D'accord. C'est cool, c'est comment? Pour 4 réussites. Une seule personne. Bah attends, je vais regarder en fait, t'embête-toi pas. Je vais juste regarder. Le timbre élégant. Ah oui, 15 dégâts magiques. Ouais, 4 te sucer. 12 de pognon. Franchement, il est cool avec du dégât de zone et tout. Ouais. Par contre, tu fais esquive et affaiblir sur les autres. Il est pas mal. Même si j'avais un petit préférence pour l'autre. En vrai. Mais sinon, il est cool. Et l'épée crochet. Qui est très, très l'épée fort. Crochet, on aime beaucoup. Bah, généralement les guerriers aiment bien. Pas notre guerrier ici, il est occupé à faire du boudin là. Parce qu'il est mauvais. Non, je prends même pas. Et il y a des bottes tannées hein, si vous voulez tous de la régénération et de la vitalité. Voilà. Je vais prendre la quête. Et après, qu'est-ce que c'est quoi la quête? Alors, il y a une quête objet de groupe qui donne une des bottes qui font 1 d'armure, plus 4 dégâts physiques, plus 4 de force. C'est les bottes de puissance. Oh. C'est très cool. Comme objet de départ, c'est très très cool. T'as la on peut prime prendre ça. À savoir, pour Zelzer, au-dessus du gobelin là, qui est sur notre chemin, le capitaine des bandits là, il y a un rocher pour le roi Arthur, donc c'est pour toi. Moi j'ai vu. Faut que tu y ailles, et derrière il y a mon temple, le sanctuaire du sang. Ah ouais. Ouais, le mien ou le tien d'ailleurs, en fait, en vrai. Il change Ah, mais Zelzer il joue pas assez souvent. C'est
Quoique tu peux le prendre quoi, en vrai c'est pas une. Ouais, vous pouvez prendre. Non mais tu pourrais le prendre aussi en fait. C'est pas une intéressante. Prends quoi comme quête? Non mais bah, prends les bots. Prends les bots. Ok. Parce que attends, t'as une quête d'XP de groupe qui te donne 6 d'XP de groupe hein. Ah ça vaut tellement le coup mec, et franchement hein. Franchement, ah, franchement sur une jauge de 220 XP, ça te change ta vie quoi. Bon bah, faut aller. Faut amener une petite lettre d'amour. Bah c'est bien, ça va nous faire traverser toutes les terres de la forêt ardente. C'est très bien. Parfaite comme quête. Voilà. C'est sûr que notre objectif est de l'autre côté. Du coup, tu prends le multiplicateur ou je prends le multiplicateur, Zezer? Tu prends, je te le laisse. Pas le multiplicateur, le pourcentage de chance de faire du crit. Je te laisse. Idéalement, faudrait que ce soit. Trouver le sanctuaire de concentration. Qui est aussi intéressant pour moi que pour Zelzer. Oh! Oh! Bah tiens. Oh, il va tout perdre, il c'est va la tout merde. Perdre. De toute façon, on en a plus. Oui, mais c'est la merde. T'as essayé, hein? Parce que si je le rate, il disparaît et le point de concentration est vraiment cool. T'as essayé, hein? Oh, c'est gagné, putain, c'est cool. C'est très cool. C'était très cool. C'était superbe. Comme la veille. Je suis très content. Donc, tu vois, je n'ai plus besoin d'un sanctuaire de concentration. Je vais me mettre. Combattez le corbeau tout de suite. Bah viens de mon côté, oui. Ouais c'est ça, y'a un pigeon. Vas-y pète le pigeon. Ah ouais non. Pète pas le pigeon. Y'a plus de bouffe. Tiens, il y a la potence qui va devoir être révélée. On va devoir trouver la potence. Ah trouver ah bah la pote. C'est voilà, trouvé. C'est trouvé. Non non mais fais pas quitte. Prends ta racine dorée. T'inquiète, j'en ai 20. Yes, t'as claqué un point de racine dorée sur en mouvement, je te déteste. Oh merde, j'ai pas vu. Ouais, bah je te déteste, vas-y, bah maintenant tu peux essayer à 88%. Non, il a annulé le truc. Ça a bugué. Mais t'es le pire. Mais t'es le pire. Mais Zelzer, t'es le pire. Oh ya 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 ya. Zelzer, je crois que t'as dû te couper une couille la dernière fois, est-ce que tu veux bien te couper la dernière, s'il te plaît? Oui. Allez. Et à la petite fourchette rouillée, s'il te plaît. J'en ai marre. Ouais, ça c'est uniquement des fautes d'emportement et d'inattention. C'est des vraies bullettes hein. Au lieu de nous dire ah, ça va c'est bon je sais. Écoute les consignes du grand maître Jedi. Carrément. Ouais genre y'en a qui ont esquive là, vraiment. Alors moi j'ai fait de la merde mais ils ont pas esquive. Bon tu tues les trois là oui ou mince. Scandale, scandale. C'est les mecs qui ont fait que de la merde. C'est ça. Les pires moves. Aïe aïe aïe. Bon bah faites des dégâts de zone hein, allez-y hein. Ouais tout en dégâts de zone, c'est pas ça. Très joli hein, très esthétique. On va peut-être finir par en mais tuer. Mais non, faire pour les tuer quoi. Aïe. On va pas dû faire des dégâts de zone je crois. Ouais, tu peux les mecs. Tue-moi celui-là, là. Ouais. C'est nous de ce forgeron en plus. Je loupe une fois il esquive, ça me fout le seum en fait. Je vais mourir ici. C'est officiel, je vais mourir ici. Ah, mettre ta pelle, mettre les full dégâts là, on arrête de faire n'importe quoi. Quand j'ai cliqué sur celui. Ouais, toi je ne crois pas, alors c'est bon, avec ça. Et voilà, je vais mourir ici, c'était bien. Je suis content d'avoir joué avec vous, ça me fait plaisir. 9 points de allez, je ne me soignerai pas, je refuse. Après E c'est F. Moi oh, les gars, mais ces chauves-souris elles vont m'énerver. Mettez-moi ça. Chauves-souris qui m'énerve, hein, roi Arthur. Hein
Hein ouais, quoi Couillard. Allô Couillard. Allô Couillard. Moi je pense que face à ton échec, c'est une bonne façon de mettre fin à cette vidéo. Nous retiendrons l'échec de Zelzerti. Ce sera même le nom de cette vidéo, l'échec de Zelzerti. Ah génial, bah oui. Attends, il faut tout un épisode, il faut toute une série, hein. Ouais, là du coup 50 minutes quand même l'épisode, ça va. On l'a attendu, mais il est là quoi, quand même. Hein. Des bisous YouTube, à la prochaine. Salut tout.